stressing act. Ah, the stressing act? Yes. Ah, the dead man. Not ready yet. Not ready yet. It should be tuning before, before, but the, yes. It made before, but yes. It's not. So this is best. In which order? Todos estamos más o menos igual. Sí, por, sí. Por distintos, sí, por distintos motivos todos estamos más. Bienvenue à la 51e édition de la Semaine de la Critique. Excusez pour le retard, c'est le premier réglage. Nous sommes au Palais Miramar, donc c'est un mot espagnol, donc il est logique de commencer par un film qui parle cette langue, un film argentin. À mes côtés, Fabien Gaffet, membre du comité de sélection de la semaine et par ailleurs directeur artistique du Festival d'Amiens. Je lui laisse la parole pour vous présenter Los Salvajes, les sauvages, pour savoir qui ils sont, où ils sont, etc. Bien, bonjour à tous. Donc, Los Salvajes, c'est un film que le comité aime beaucoup, forcément, puisqu'il est dans la sélection. La semaine a toujours accompagné la grande santé du cinéma latino, qu'on appelle le cinéma latino ces dernières années, et plus particulièrement le cinéma argentin aujourd'hui, et l'année dernière, pour ceux qui se souviendront, de Las Acacias, qui a remporté le Canela d'Or. Alejandro Fadel est d'abord connu pour être scénariste. Il était le scénariste notamment attitré de Pablo Trapero. Vous avez peut-être vu Leonera ou des films comme Carancho. Et c'est donc son premier long métrage en tant que réalisateur. Alors on aurait pu craindre ou s'attendre à ce qu'on appelle parfois des films de scénaristes, comme certains scénaristes passent à la réalisation. Mais ce qui nous a tout de suite frappé, ce qui nous a vraiment plu, c'est la force visuelle du film et sa croyance absolue dans la mise en scène. Alors vous verrez que le scénario de ce retour à un état sauvage d'enfant, on va dire d'adolescent, pourrait nous faire penser à Sa Majesté des Mouches moderne. Mais encore une fois, enfin, le pessimisme du film, le réalisateur arrive vraiment à trouver à travers, malgré ce pessimisme, à trouver quelque chose de la beauté du monde, même si cette beauté est déjà morte. Et pour finir, vous verrez que peut-être beaucoup du cinéma que l'on aime passe à travers cette mise en scène, et on pourrait peut-être, de manière improbable, comparer cette mise en scène à la rencontre de John Boorman et de Larry Clark. Merci pour cette présentation dans les règles, pour un film qui a beaucoup de foi, mais qui est sans loi. Sauvage. Bien, j'avais appelé maintenant le réalisateur Alejandro Fadel. Son interprète principal, qui est aussi son premier film, Sofia Brito. Et la productrice, Agustina Viambi Campbell. Fund of the International Film Festival in Rotterdam, the Metropolitan Fund of the City of Buenos Aires that made it possible for our film to be finished. I want to thank the University of Cinema. We want to thank the National Film Institute of Argentina that made it possible for us to be here. And we want to thank here in Cannes, very especially La Semaine, Charles, Clement, Fabien, and Memento Art Scope. They're treating us wonderfully, and we're very happy to be here. Hola, voy a hablar español. ¿Entienden todos español, no? I want to speak in Spanish. Everybody understands muy Spanish? Muy fácil. Pensé que era el más nervioso de la sala, pero veo que Agustín está peor, entonces ya estoy más tranquilo. I thought I was the most nervous one in the room, but I see that Agustín is worse. Como dijo Agustina, bueno, ya habrán escuchado los agradecimientos, esta película no hubiera sido posible sin el aporte de muchas personas. As I said, this film wouldn't have been possible without the support of a lot of people. Es una película producida radicalmente independiente, más allá del apoyo que conseguimos luego con el corte final. It is a film produced
in an independent as it gets way, regardless of the support that we afterwards got. Y que solo puede ser posible con el gran aporte de, del equipo técnico de la película. And it was only possible for the tremendous support of the crew of the film. Quiero agradecer a ellos en esta oportunidad. I want to thank them deeply. Y quiero también agradecer mucho a los actores de esta película. Creo verdaderamente que, y hablo, me permito decir esto porque no es un trabajo que es estrictamente mío, que la película tiene en sus actores un verdadero descubrimiento. Espero que lo sientan así también. I want to thank very specially the cast of the film. If I may say this, it's because it's not my doing, but I feel there is a true discovery in the cast of this film. Y bueno, no mucho más. Quiero dedicar esta función a mi madre, a mi padre y a mis hermanos. Not much more. I want to dedicate this screening to my mother, my father, and my brothers. Finally, try to forget that you're in Cannes and enjoy the film. Thank you very much.